Bonjour, en tant que fondatrice et directrice de Flamme San Diego, j'aimerais vous parler un petit peu de nos programmes. Nous proposons des cours de français pour enfants qui comprennent et qui parlent le français. C'est-à-dire des enfants en fait qui ont grandi d'un ou deux parents francophones. Nos cours se font après l'école, deux après-midi par semaine, et nous plaçons l'enfant selon son âge et son niveau. Un poète est sous un arbre perché. Il tenait dans son bec un fromage. Mon beau monsieur apprenait que tout flatteur vit ou dépend de celui qui l'écoute. C'est cette leçon hantée. Nous avons des professeurs qui sont incroyables et vraiment créatifs et vraiment très doués. Nous suivons un programme de l'éducation nationale française pour s'assurer que nos enfants ont vraiment un bon niveau de français. C'est tout comme s'ils étaient en France plus ou moins et qu'ils suivaient des cours de français forcément adaptés. Ça va mec ? Ouais, et toi ? Ouais, bien. Ça vous aidera, vous, en tant que parent, de pouvoir facilement promouvoir la jolie langue et culture française. Joyeux anniversaire, Elisabeth. Ayant moi-même grandi avec plusieurs langues et élevant à mon tour des enfants bilingues et multiculturels, je trouve que c'est tellement un cadeau que l'on puisse offrir à nos enfants. Nos cours sont vraiment à un tarif tellement raisonnable. Et comme vous pouvez le voir, dans nos cours, nos enfants s'amusent, ils s'éclatent, ils ont tellement de possibilités d'apprendre le français. Alors c'est quoi ce mot Jack ? Rieur. Rieur, très bien. Alors, de pouvoir comprendre, analyser la culture, de faire toutes sortes d'activités ensemble et en plus de cela, ils sont accompagnés d'autres élèves qui du coup avec qui ils peuvent faire des échanges. Nous avons tellement d'autres choses que nous proposons en dehors des cours de français. Oh, mais non. Nous faisons des activités ensemble dans un parc extérieur. En plus de cela, nous proposons Savio, qui est une plateforme avec des exercices d'apprentissage pour renforcer le français. Et c'est vraiment comme sous forme de jeu, mes enfants ils adorent. Et aussi Storyplayer, qui est comme une bibliothèque avec des livres, donc audio et aussi des livres qu'on peut lire. Nous participons à d'autres événements tels qu'un concours de BD qui s'est fait l'année dernière. Et nous avons tellement d'autres choses qui se passent au sein de nos programmes. Nos professeurs sont tellement créatifs dans la façon d'enseigner que sous forme de jeu ou peut-être suivre une recette, faire un jeu qui est très spécifique peut-être à une saison ou autre, et bien les enfants sont tellement contents de pouvoir participer dans ces cours et avoir du coup ce suivi. Je vous encourage à découvrir tout ce que nous proposons ici à Flamme San Diego en jetant un coup d'œil sur notre site, tout simplement, flammesandiego.com. À bientôt. Au plaisir d'accueillir vos enfants dans nos cours de français.